Pour finir, apprendre qui y en a, inné, avec une malformation, une clef, qui tient au premier sentiment? Premièrement, moi, bon, dans la salle d'accouchement, vu que mon gynécologue ne montre mon bébé tout de suite, alors dans la tête, tu finis faire tink qui bébé, il a un petit problème. Et suite, quand il dit à ce papa, venir pour guérir bébé, là, moi, je dis, c'est confirmé, bébé peut-être bien inné avec un problème. Mais je me suis pensé que c'était un problème plus grave, comme dans mon tête, c'était plutôt un Down syndrome qui était en tête. Mais après, quand j'ai montré mon bébé, c'était une fente, c'est-à-dire, c'est ça qu'ils nous disent, un cleft lip. Et aussi, il est avec un cleft palate. Comme tout maman, c'était un moment vraiment ému. Mon père s'est entendu mon bébé. Et vu que c'était mon premier bébé, alors je me sentais comme si les mondes même écoulaient. Mais heureusement qu'il achetait là, mon mari, qui m'a bien soutenu à moi. Et ce moment-là, il dit, c'était juste un problème, pas qu'à sa tête, l'irréparable. Et même mon gynécologue, docteur Beaumont, qui s'est bien soutenu à moi, dit, rien, c'est pas la fin du monde. Il y a un bébé qui naît avec un problème plus pire que ça. Mais c'est juste un petit problème qui m'a besoin fort pour faire face de ça. Comment est-ce qu'on surmonte ça, l'émotion là? Et aujourd'hui, le bébé peut avoir, comment on dit, peut avoir bientôt 10 mois. Comment on fait pour surmonter ça? Premièrement, c'était vraiment difficile pour moi. Mais heureusement, la famille m'a bien soutenu, moi. Une association Grand B qui est Smile Train Association. Et que nous avons pris contact avec Medini. Et Medini, un dîner vraiment formidable qui nous guide moi dans toutes directions qui besoin. Comment pour feed bébé, comment pour prendre soin, surtout au niveau de narine, sur la gorge, qui comment il finit, me finit faire les bois, me besoin mettre chou qui peut naguère, qui ne restait dans sur la gorge, qui peut-être ça peut faire une bonne infection. Alors bien détaillé, même ménage la personne, elle est vraiment aidant. Premièrement, quand je suis avec mon bébé, mon frère, tu sais, c'est God gift. Alors, c'est un little angel qui vient de la famille. Alors, pas prendre pour un bébé simple. Pour moi, c'était pas juste mon frère qui vient de moi, mais mon master au niveau méditation, évidemment, sa bébé, il a un beautiful soul. Alors, pour savoir mot-là, vraiment encouragement, qui oui. Ce n'est pas un bébé ordinaire, mais c'est un bébé extraordinaire. Je ne sais pas, de l'autre façon, peut-être, c'est vraiment un enjoy pour nous, pour moi et pour Ashley, parce que depuis qu'il est né, on a beaucoup d'affaires qui nous viennent, qui nous pas attendre. Ici, nous avons contacté pas mal d'institutions. Et si nous avons fait l'intervention ici à Maurice, mais par la suite, nous payons la médecin spécialisée dans un domaine là. Qui pourra fixer sa problème qui en a une là. Et c'est nous pouvons faire une request au niveau ministère de la Santé si nous pouvons faire docteur Pritam Chetty, Kevin Maurice ou OPR qui en a ici à Maurice et aussi nous pas juste qui en a tout seul qui en a un problème là, nous avons combattu les autres bébés aussi à travers l'association nous connaît qui va aussi faire temps pour faire intervention et vu qu'en ce moment il y a Covid. Et il n'est pas pratique pour prendre un bébé comme ça, voyager. Et aussi, il est plus pratique si le docteur la ville de Maurice. Et comme on nous connaît, le bébé n'est pas pour faire vaccin COVID. Et il est plus bon que le docteur ici à Maurice. Au commencement, depuis petit, je tiens un club. Mais comme mon maman raconte moi, au commencement, je n'ai pas fait mal en lien. Mais comme je suis grand, à l'âge de 3 ans, disons, je me suis senti moins bien. Tout à fait pas bien parce que vu que moi, j'ai une jumelle, moi aussi, je n'ai pas pareil comme moi. Depuis bien petit, je commence à faire mal d'opération, des fois 3 mois, 4 mois, je reste à l'hôpital même. Et après, de côté. Social, mais je sais beaucoup affecter moi, j'ai beaucoup de bannes du monde, je prends des bannes, les autres affaires. Des fois, je suis un peu moche aussi, mais maintenant, je donne un rigole, vraiment, ça abaisse-toi de ne pas ressortir, lui faire camarade, non, ni. Mais j'ai envie de me renfermer dans moi-même. Même que de donner beaucoup de commentaires, pareil, moi, les enfants, mais moi aussi, ça m'a dit du monde. Donc, je dis à maman, qu'est-ce que tu fais là?
fois, de bagarre avec un camarade même. Mon rentre dans l'âge 18, 20 ans. Là aussi, je tiens un doute qui fait capable la vie, n'est pas pour normal, n'est pas pour du genre, je prends la vie en sécurité, même la vie de mariage ou même la vie du travail. Dans le travail, c'est le plus pire. Je commence ma carrière dans, je veux dire, depuis le mois de ceci, je commence ma carrière dans l'hôtellerie. Quand je commence le travail, là aussi, il y a beaucoup de critiques. Mais mon opération est pas beaucoup d'étapes. Et à la fin, je suis en dîner. Il est vraiment guide-moi, guide-moi de toute mauvaise façon, de toute mauvaise vie. Comme tu connais ce type aussi, tu pareil, je gagne plus confiance dans moi-même. Et quand je commence, on va dire, quand je commence le travail, même oublier ça. Je me dis plutôt à moi-même, comme, comment moi, je vais accepter. Même si je ne vais pas accepter ou pas. Mais là, finalement, je gagne. Mon métier, mon amour, parents derrière moi, mon la famille, c'est un petit compte. Bien sûr, il y a un souk quand une fait un petit bébé, les enfants là, ils naissent, une malformation, ne pas connaître qui vous faire. Alors il y a tout un stress, maman, papa, la famille. Donc nous là, alors pas nous gagne nouvelles, nous réconforte surtout la maman, le papa, et bien sûr qu'il y a une solution. Donc la solution définitivement, c'est les opérations qui va venir en temps et lieu. Basant sur un critère médical. Et pour toute la préparation, pour elle, comment dire, toute l'opération passe bien. Donc nous accompagnons les parents, montrer eux comment faire boire la maison, qui calte les biberons, qui gagne un biberon. Et nous aussi, nous sponsorons les biberons. Et surtout l'hygiène de l'enfant, qui existe la case, qui nous capable de faire. Alors tout cet accompagnement-là, c'est avant l'opération. Ensuite, nous préparons tout pour qu'ils en fassent l'opération. Et quand ils terminent sur l'opération aussi, nous avons un long accompagnement. Donc après, il y a une speech thérapie, une counseling, il y a intégré la société, l'accompagnement qui est très important côté psychologique, qu'ils en font là, regagner sa confiance pour les capables, comment nous dire à Maurice, un niveau normal. Alors à Maurice, c'est une impossibilité, donc possibilité à l'hôpital, possibilité dans des cliniques privées à Maurice. Et aussi, nous découvrons en Inde. Pourquoi l'Inde? C'est par rapport à mon expérience, parce que moi-même, ma maman, une petite clef. Et que nous aussi, nous retrouvons une option, bien sûr, quand on est ciné, à travers un camarade qui aide nous et tout. Nous restons avec un chirurgien en Inde, à Bangalore. Et là, la petite, au fait, sa chirurgienne est tellement assistée, moi, 24-7, que vraiment, j'étais réconfortée, côté médical, qui nous a enfants pour courir. Parce que quand les enfants ont fait opération, ils sont surtout pour une maman, on peut mettre la vie ou la vie d'un étranger sur la main. Donc, sa confiance, ça qui est super important. Et que moi, j'ai gagné avec sa chirurgien là. Donc, j'ai avoué un petit là-bas et qu'elle a fait deux opérations. Avant, c'est un an. Et tout se passe bien. Aujourd'hui, elle a 4 ans, elle va à l'école, elle commence à causer, etc. Donc, c'est super. Maintenant, on a 28 bébés qui est déjà parti depuis 3 ans avec ce médecin à Bangalore. Et jusqu'à l'heure, tout s'est bien passé. Je suis allée pour une période de 20 jours minimum, 20 à 25 jours. Donc, je suis allée, je suis gagnée, que je suis bien restée, etc. Et tout s'est bien passé. Et on a 100% succès. Donc, on a la liste d'attente et mon cas dit. Un parent très patient à être et nous comprend la COVID-19 donc la fait deuxième année et nous pas connaît si il peut arrêter ou nous bien comment nous dire c'est un moment accepté dit maintenant il faut trouver une solution. Ok, donc la solution bien sûr l'irresparer et une impossibilité à Maurice et une impossibilité dans le privé, mais aujourd'hui il y a une possibilité aussi au lieu qu'il nous aille en Inde pour mettre à risque à cause de la pandémie, une impossibilité de faire le médecin venir. Donc aujourd'hui, c'est ça, nous en communication avec le ministère de la Santé et demander dès que, bien sûr, ça se calme un peu, au lieu que tout le monde parte en Inde, pourquoi pas le faire venir. Et nous aussi que ça avec le chirurgien, il est disposé de venir à Maurice pour faire les opérations de nos petits, comme ça, ça va éviter un peu tout le dérangement de tout le monde. J'ai 6 qui sont prêts dans ma liste et peut-être il y a encore qu'on ne sait pas. Et puis comme consultation, il y a à peu près 42
des nouveaux cas, des enfants, des adultes. Cette année, donc depuis janvier, février, mars, j'ai 4 nouveau-nés. Hier même, il y a un nouveau petit bébé qui naît. Donc, on peut dire chaque mois à Maurice, il y a un nouveau-né.